Voilà, bah moi ça fait 24 ans que j'ai quitté la France, que je me suis installé à La Réunion. J'ai travaillé auprès des enfants dans une association culturelle, enfin un petit peu de tout concernant le théâtre, activités manuelles et arts plastiques. Et un jour, on m'a fait une proposition concernant justement le dessin. C'était au festival de la gare d'Onyuki à l'île de La Réunion. Et on m'a proposé de faire un body painting sur un bodybuilder. Et j'y suis allé au culot. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais arrêté puisque j'ai senti les caméras, les photographes et surtout le public qui adhérait vraiment à cet art qui est le body painting. Cette discipline m'a permis de rencontrer énormément d'artistes, de rentrer dans un milieu qui est la musique. Et de fil en aiguille, je rencontre plein de gens. Dernièrement, j'ai fait un défilé qui s'appelait le Body Art Show à l'île de La Réunion, où j'ai essayé de mélanger la mode, le textile et la peinture avec des artistes, tout en mélangeant le body painting, en respectant la peinture. Au milieu artistique, musical. Hello, je m'appelle Angie, moi c'est Sewa et aujourd'hui, mon père a peinté as a mermaid from Sébastien, a famous body painter from La Réunion. Mon père m'a content avec la sauce. Very, very nice. Thank you. Nous sommes une délégation de La Réunion à s'être déplacée sur le carnaval des Seychelles. Plus de 35 artistes sont venus de l'île de La Réunion. Et nous avons eu le plaisir de retrouver Seb donc, qui a fait du body painting pour la première fois sur le carnaval avec nous l'année dernière. Sa performance a vraiment impressionné un peu tout le monde et il a été appelé cette année pour travailler avec les Seychellois. Donc c'était un vrai plaisir pour nous d'être ici avec aussi d'autres actions qui ont été générées par notre participation. Donc des artistes qui vont travailler et collaborer avec d'autres artistes Seychellois. Et puis encore plein d'autres choses qui vont continuer dans les semaines et les mois à venir. Et puis vive La Réunion, vive les Seychelles, vive les îles Vanille et à l'année prochaine. L'influence, elle est surtout dans la tête. Je travaille au feeling, je suis autodidacte. J'ai jamais fait d'études dans ce milieu. Et je me lâche comme quand j'étais petit, je dessinais des robots, des calqués dans des catalogues. Voilà, donc voilà, je travaille au feeling. Je pense que ça passe bien. Enfin, moi, je préfère. Thank you.
Eh ben, n'ayez pas peur de cet art, parce que c'est un art que j'appelle la mode à fleur de peau. Et ben, c'est un art qui fait rêver. Et je crois que dans le monde actuel qu'on vit, avoir un peu de couleur, ça fait pas de mal. Et ça fait du bien. Enfin, moi, personnellement, faire rêver les gens, c'est une chose extraordinaire. Donc, ben, je suis fier de ce que je fais. Et voilà.